destination Chaillet sous les Ormeaux en Vendée. Quelle belle histoire que celle de Julien Blanchard qui, à 25 ans, a racheté une briqueterie familiale créée en 1850 avec l'idée de la propulser vers la modernité. C'est chose faite aujourd'hui avec une nouvelle technologie révolutionnaire, le HP2A, qui permet de créer une brique d'argile écologique, économique et aussi solide que le ciment. Donc on fabriquait des carreaux, des briques, des plaquettes de parement, des tuiles. Et l'idée était de dire, voilà, est-ce que je peux valoriser en fait la matière première différemment, en l'exploitant différemment, avec d'autres produits et d'autres applications, aussi bien dans la terre cuite que dans la terre crue, et désormais avec le procédé HP2A. Alors HP2A, c'est haute performance, activation alcaline. Pour faire assez simple, on crée une réaction moléculaire dans la matière, argile, entre les différentes particules d'argile et des agrégats de sable ou de gravillon. Cette réaction moléculaire crée des liaisons qui sont très très solides entre les différentes particules et on arrive à créer un bloc monolithe sans ajout de ciment ou de liant minéral connu à ce jour. Cette réaction moléculaire, elle se fait à froid et sans apport d'énergie, sans cuisson. Du coup, ça abaisse énormément son impact carbone qui est quasi nul et son prix est 20 à 30% moins cher que le ciment. C'est aussi résistant que du ciment. Et on peut aussi bien faire des matériaux de construction que des matériaux de décoration, intérieur ou extérieur, ou du génie civil. Moi, j'avais cette véritable envie d'innover. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour essayer de valoriser cette matière première, qui est l'une des matières premières les plus présentes à l'échelle du globe. Et les premiers produits HP2A doivent sortir en 2017 à destination des professionnels.